À quelques semaines des élections, le président sortant des États-Unis, Joe Biden, a officiellement passé le flambeau à sa vice-présidente, Kamala Harris. La procureure de formation affrontera en effet le candidat républicain Donald Trump en novembre prochain. Ainsi, à l'occasion du premier jour de la convention démocrate qui a eu lieu à Chicago, le 46e président des États-Unis a exhorté les populations à faire barrage à un éventuel retour de Trump à la Maison-Blanche. Le 21 juillet dernier, alors qu'il avait largement remporté les primaires de son parti, Joe Biden a finalement renoncé à l'aventure présidentielle. Un acte qui, selon ses propres termes, serait motivé par son amour du pays et non pas par des velléités. Depuis lors, Kamala Harris est dans les chapeaux de roue, enchaînant les meetings dans plusieurs États clés.